Je suis désolée. Ce n'est pas moi qui attends des excuses. Dis plutôt ça à Will, tu as cassé son traîneau. Je suis vraiment désolée. J'aurais pas dû faire ça, j'espère que tu accepteras de me pardonner. Je vais m'occuper du panneau. Mais débrouille-toi pour rembourser toi-même son traîneau. La maman de Will vient d'ouvrir un chenil à la station et je te parie qu'elle aurait bien besoin d'un coup de main. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que ton père veut dire, c'est que tu iras travailler au chenil tous les jours après l'école. Quoi? Hein? Non, papa, j'ai pas le temps pour ça! Eh bien, tu le trouveras, Kayla, ou tu me dis qui t'a embarqué dans cette histoire. Non? Non. On dit lundi à partir de 15h. Parfait, c'est réglé. Alors, on se voit à 15h. Désolée, mais t'iras dépenser l'argent de ton père dans les magasins une prochaine fois. Tu ne me connais même pas. Ah, tu crois? Alors vas-y, dis-moi ce que tu sais faire, à part soigner ton image de starlette. Premièrement, avoir du style vestimentaire n'est pas qu'un talent, c'est tout un art. Et deuxièmement, les gens savent que je suis la reine de la glisse, je n'ai plus rien à prouver. Tu crois pas que t'exagères un peu, là? Excuse-moi? Je t'ai vu surfer. C'est correct, mais ça reste brouillon. Tu ne termines pas tes mouvements et tes transitions ne sont pas fluides. Et comment tu expliques que je fasse partie de l'équipe Swift? C'est facile quand papa tient la station de ski. Ça n'a rien à voir, tu dis n'importe quoi! C'est ça, va-t'en, retourne toiletter tes chiens dans ton salon! Et puis profites-en aussi pour prendre une pelle et ramasser leurs crottes! À plus tard! Kayla! Hé! Hey. Est-ce que ça va? D'après toi, tu m'as laissé tomber. On a paniqué, on s'est enfui. Je croyais que t'avais pu nous suivre, mais quand je me suis retournée, t'étais plus là. Je me suis fait attraper à cause de vous, je te signale. Et maintenant, mon père est super en colère. Il me force à travailler au chenil. C'est trop injuste qu'il t'envahie à cause de ça. J'étais en train de leur dire que si je pouvais échanger ma place avec toi, je le ferais. Sans hésitation. Faut que j'y aille. Je t'appelle. Salut, c'est Nick. J'ai mieux à faire, alors laisse un message après le bip.